Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui les gens pour les élites Trainerbox. C'est plus rare. C'est plus rare que Disney occulte ou Disney radieuse, je vous jure. C'est le monde est devenu fou avec Pokémon, les gens. Et on voulait en ouvrir pour voir le quota, pour faire partie de ceux qui ouvrent quand même les items et de qui partagent un peu les ouvertures pour se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qu'on peut avoir dans et est-ce qu'on va avoir la chance ou pas. Alors, on a eu de la chance d'en avoir, c'est des précos, on en a juste deux autres pour notre collection. On n'en a pas du tout trouvé en magasin, demandez pas où les acheter. Il n'y a pas eu, c'était de la préco. Voilà. Sur des sites spécialisés et il n'y a pas au prix normal. Au prix normal. Et on n'a pas du tout vu en magasin. Non, pas du tout. Fallait préco. Et peut-être qu'il y aura un rassort, je ne sais pas sur cet item, mais en tout cas, il faut savoir, les gens, voilà, petit aparté, règne de glace. Il y a un 2-3 prints. Il y a le jour de la sortie, donc là c'est mort, il n'est déjà plus nulle part. Voilà. Il y a au mois de juillet, vous pouvez déjà précommander sur certains spécialisés. Hein. Allez voir votre magasin de société, par exemple à Nantes, hein. Tant pis, je vois. Mais, pour précommander, parce que voilà, ils n'ont plus beaucoup de stock, je pense, en Anugar, voire plus du tout avec le week-end. Mais probablement que vous pouvez précommander peut-être pour août ou. Alors sauf s'ils ont. Pas des ETB, je pense, mais plutôt des boosters. Mais allez voir votre magasin spécialisé en jeu. En jeu, pas jouets, hein, parce que les grosses boutiques de jouets, elles font pas de précommande. Spécialisé, et comme ça vous pourrez peut-être en avoir en juillet ou en août, donc avant la fin des vacances. Wouhou, quand même. Les gens, aujourd'hui on va en ouvrir parce que du coup on n'en a pas du tout ouvert, on veut savoir ce qu'on va avoir et on espère avoir autant de chance que Vraiment on espère, parce que je sais que les styles de combat n'avaient pas été forcément très généreux. Ouais. Moi j'avais rien eu en 8 boosters, Guillaume il avait eu un truc je crois. Donc il y en a deux différentes, il y a Silveroi en forme psy et Silveroi en forme... Regardez, c'est incroyable. Donc en forme sombre et en forme glace. Elles sont belles. Donc celles-ci on les ouvre parce qu'en gros on a comparé par rapport aux deux autres, celle-ci elle a pris un coup dans le transport, tu fais... Donc on l'ouvre et du coup, après c'est pour vous, donc on s'en fout. Celle-ci aussi un petit peu, mais en gros, ouais, là en gros celle-ci est un peu moins pire que ça, celle-ci elle est un peu dégueulasse, et encore ça va. Normalement on va recevoir d'autres boosters, donc on fera d'autres ouvertures de boosters. Règne de glace. Soit des displays, soit des. Je sais pas du tout. Donc faut rester au rendez-vous, faut s'abonner à la chaîne. Les gens, nous-mêmes, on a regardé le jour J. Oui. On en a trouvé nulle part. Ouais. Le jour J, en on dehors des précommandes qu'on a faites. Oui. Non, mais on a fait quelques magasins à Nantes, autour de Nantes, il y avait rien. Et du coup, heureusement qu'on les a trouvés pour mercredi avec Mimir, c'était marrant. Oui. C'était de la chance. Regardez, violet. Violet. Tu commences? Bah, tu commences, vas-y. Tu commences, t'es mignon. Donc, l'intérêt de ces boîtes-là, c'est qu'en fait, vous avez des protections. Bah, on va vous montrer l'intérieur. Mais le livret avec toutes les cartes, ça c'est super bien. Après, les gens, on va pas vous mentir, on a pu voir des gens qui savaient pas ce que c'était réellement. Voilà, les... Oh, c'est joli, hein. On peut relire. Ouais, elle est magnifique. De toute façon, les ETB, c'est le plus bel item. C'est joli. Alors, on va c'est très joli, mais ça fait très cher le booster. Donc, en fait, si vous voulez juste pour votre enfant plus jeune, ou même un jeune collectionneur, ou même d'un débutant collectionneur, j'ai pas forcément ce type de produit, c'est quand même plus cher le booster que d'acheter à côté de tripack. C'est pas indispensable. Oui, voilà. Il n'y a pas de carte promotionnelle. Bah, c'est vraiment la collection ou alors ceux qui jouent. Non, mais il y aura une carte promotionnelle à la limite. Oui. Un peu comme dans les Pokébox ou dans des Steam Cult, mais là c'est vraiment. Bah, à la base, c'est fait pour jouer. Hein. Ouais. Il y a des dés, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Donc les cartes, il y en a un paquet. 98 cartes communes. On va passer aux ultra rares, c'est ce qu'on veut. Alors, en full art, on a eu en Jap. Bah attends, mais elles sont là, la pile. Mais de toute façon, vous avez tout vu en vidéo. Oui, bah vous avez tout vu en vidéo. C'est ça la pile? Oui. C'est un peu mélangé, hein. Non, c'est pas ça, ça c'est des. Ah si, c'est ça. Si, c'est ça. Oh là 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 là. Ah oui, mais j'ai confondu. Il y en a beaucoup trop, c'est ouf, c'est dingue, il y en a trop. Donc on a l'Euphorie, qu'on a eu la meilleure carte pour l'instant, Articodin, Élector, Razegali, Saturnin, Agatha, je regarde un petit peu, donc en français, Galopa, Zeraora, Alternative, toutes les alternatives, il y a trop, la Sulfura, moi je la trouve incroyable. Boreas qu'on a toujours pas eu. Ah Boreas, elle est belle. Elle est belle. Elle est très très belle. Des petits dresseurs sympathiques, Persila, Sophora, Luna, Pivonia, Apia qui est pas trop mal, Adrien qui est docteur qui sont vraiment moins bien pour le coup. Et The Best les trois là. Alors, au vu des prix américains, ça a pas l'air d'être extrêmement rare en termes de tirage, mais c'est bien s'ils ont baissé le tirage. Et puis, les gold, il y a quand même les trois. Electrode, ça serait cool, le côté vintage. On flex aussi en mode vintage. Archéodon, moins parce qu'on l'a déjà eu. Et puis, les énergies, pourquoi pas. Oui. Et puis, pourquoi pas des gold, c'est toujours bien. Mais si on a une gold là-dedans. Ah oui, là-dedans, honnêtement, là-dedans, peu importe. On s'attend à rien.
Donc, au moment qu'on a une ultra, c'est très bien. On ouvre la petite box. Mieux qu'une V, c'est une V Max. On a un petit truc en carton de couleur. On a bah, tout ce qu'il faut pour jouer, c'est-à-dire le guide de jeu, les jetons, les dés en bleu qui sont magnifiques. Ah non, ils ont refait des pochettes normales. Hein. Ah ouais, donc évolue. Attends, quoique. Attends, oui. Parce qu'on a l'impression que c'est des pochettes normales. Donc derrière, avec des belles protections, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est pas indispensable. Parce qu'il y a des pochettes très bien à l'unité. Et non, c'est tout pourri. C'est tout pourri. C'est tout pourri. Ouais, voilà. Okay. Et en plus, elles sont vraiment nulles maintenant. C'est de la collection, quoi. Bah, ouais. Elles sont vraiment devenues moins intéressantes. Bah, c'est de la collection parce qu'elles jaunissent les cartes, elles sont pas. Oui, ça fait un effet, un voile sur la carte. Ouais, ça fait un voile sur la carte. Voilà, pour jouer vraiment, mais. Bah, on n'est pas fan. Pas grand intérêt. Ouais. Alors, bah, c'est parti pour mes ouvertures. Donc, Articodin, Silveroi, Silveroi, Elector, Sulfura, Articodin, Silveroi, Silveroi. Voilà, il y en a 5. On a les 5. Oui, c'est bon. Les 3 oiseaux et 2 cibles rois. Voilà, exactement. Donc, bah, c'est parti, let's go pour cette ouverture. On espère avoir de la chance, parce qu'il y a intérêt. Si on n'a pas de chance, peut-être qu'on aura peut-être un petit tripack ou deux en bonus. Voilà, si vraiment on n'a rien. Mais après, si on a déjà une full art, c'est déjà bien, même peu importe la full art. Tu vois, ce qui serait bien, c'est un petit trésor sympa, tu vois, même en 2 boîtes. Oui. Honnêtement, on a pu voir des ouvertures, c'est un peu tout ou rien. C'est tout ou rien. Mais c'est ça qui est dommage avec Pokémon, c'est que finalement, quand tu ouvres en français, t'as pas de quota et du coup, tu sais pas ce que tu vas avoir. Et en même temps, c'est bien parce que du coup, tu peux avoir un truc de malade. Voilà. Exactement. C'est qui tout, double et voilà, on sait pas. Mais bon. Énergie plante, corne résonante. Je crois que la pire OTV qu'on a ouverte, c'était Harmonie des Esprits. Adrian. Non, style de combat avec Chiforce, j'ai rien eu moi. Ah oui, ça. Oui, mais Harmonie des Esprits. Adrian. On est quand même au premier. Bah dis donc, 3 de suite où c'est des cartes que tu peux avoir en gold ou en dresseur. Ouais. Smogo. Ouais. Cas d'oiseau. Et une gold dresseur serait bien en fait. Canard-sichot. Dans ça, moi je serais content. Polygon. C'est pour ça que les gens, on est toujours un peu différent au niveau de l'attente, de ce qu'on peut avoir dans le produit. Ah, mais Nolo, les si on ouvre une display à 200 euros, forcément on attend plus de trucs. Oui. Si on ouvre une display, une élite Rare Rock à 50 euros. Non, vas-y, 2. 2. Ok. Si on ouvre une display, une élite Rare Rock à 50-60 euros, ça dépend où vous l'achetez. Non, c'est 60 euros plus partout. Ouais, 60 euros. 60 maintenant. Bah, en fait, vous attendez moins, parce que déjà, c'est 3 fois moins le prix de la display, et puis il y a 4 fois moins de... Énergie, Crabominable, Docteur, même plus que ça, Coxyclac, plus que 4 fois moins de booster. L'Arméléon, Sepiata, Rongourmand, donc on s'attend à rien, voilà. Flambino, enfin, on n'attend pas de carte spécifique. Pyronie, et... Après, bon, si on n'a rien, Aida. Ça sera un petit peu un scandale, mais bon. Mais bon. Pokémon, hein. Oui, en France. On se rabattra sur le japonais. Oui, de toute façon, il y a la nouvelle extension qui sort dans 15 jours. Donc voilà, avec Rayquaza et tout, il y a eu des cartes dévoilées, il y a du... Ce qui est dommage, c'est que là, on a vu des sites qui appellent... Non, mais il y a des... C'est quoi le Léviator? Léviator déjà, VMAX. Ah là 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 là. Peut-être Léviator alternatif, VMAX Full Art. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait très très cool. Ouais. Et on serait content. C'est fort probable même. Oui. Donc la même chose, que le bouquin est différent visuellement, mais à l'intérieur c'est exactement pareil. Donc en fait, il faut vraiment l'effort de faire un truc différent. Et il y a carrément deux autres élites qui sont sorties uniquement aux États-Unis avec le Pokémon Center en ligne. Et nous, nous n'avons malheureusement et pas. Et dans lequel c'est plus cher, mais c'est marqué devant. En gros, ici, c'est marqué Pokémon Center au-dessus là de ça. Et dedans, t'as 10 boosters au lieu de 8. Mais surtout que c'est plus un Pokémon Center. Ah si, ça s'appelle. En ligne, il y a un Pokémon Center en ligne. Il y a les machines dans tous les magasins où t'arrives. Oui. C'est énorme. Ouais, ça c'est en dehors du magasin, donc dans les gros supermarchés, t'as carrément une sorte de vending machine, donc un gros distributeur automatique mais gigantesque. Un distributeur de boissons et tout. Et genre, dedans, t'as carrément des displays, des élites, des tout. C'est dingue. Et t'arrives, et si t'as de la chance et que t'arrives au moment où c'est rempli, bah en fait, tu fais, oh, bah je vais prendre ça. C'est ça. Non, mais c'est vachement bien ça. Après, ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Que ce soit en France ou aux États-Unis, finalement. Comme c'est extrêmement imprimé aux États-Unis, bah là, en fait, les gens, c'est ça qui est complètement idiot aujourd'hui, c'est que. L'anglais a vachement diminué. Vous pouvez acheter des displays à 130 euros sur internet en anglais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en français, vous devez mettre 300 euros. Parce que déjà, l'anglais, c'est mondial. Donc, en fait, il y a beaucoup de print. Ouais, je pense qu'il y a trop de rapaces en France pour le peu de quantité qu'il y a. Oui, voilà. C'est ça. Et du coup, en fait, il y a trop de revendeurs. Mais avant, il y avait de la quantité pour tout le monde. Et maintenant, avec les gens qui s'y mettent aussi pour faire de l'argent, en fait, il n'y a plus rien. Parce que quand on voit sur Card Market, moi, le site Cardmarket, tu connais peut-être moins parce que du coup, voilà, c'est un peu plus spécifique pour ceux qui connaissent. Et puis c'est un peu chelou, faut mieux pas qu'on ait dessus, hein, c'est des particuliers, c'est un peu compliqué. non, mais on a eu des problèmes. Oui, ouais. Uniforme de survie, et en fait, la langue la plus chère du monde, c'est français. Ouais. Et en fait, t'as des français pro scrupuleux qui mettent à 400 euros la display. J'ai vu sur le site, tu fais. T'as 120 euros le moins cher en anglais et t'as 400 euros. Franchement, la question elle est vite répondue, tu vois.
Ah, lui il doit faire du Pokémon, il doit faire de la ronde de Pokémon, ouais, aussi, lui, je pense. Mais peut-être qu'on ouvrira de l'anglais, voilà. Bah, on sait pas. Ça dépendra de comment ça continue. Ils sont tous allumés, tes cartes. Ouais, ils sont tous allumés. Ouais. En haut, il y a un petit. Oui, en haut. En haut, ouais. En haut, sur toutes tes cartes, t'as un petit point à chaque fois. Ouais. 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 Bah, vas-y, deux. Allez, deux. On ouvre deux, t'en ouvres deux. Bah bon, j'espère qu'on va avoir un truc, hein. Au moins un truc chacun. Alors, on va pas avoir un truc à chaque paquet, hein. C'est pas des scénarios. Ah non, on demande pas un truc à chaque paquet. Moi je demande un truc au moins chacun. Bah, sur la totalité de la boîte, au moins chacun un truc mieux qu'une V, ouais, au moins, voire mieux qu'une Full Art, une V Max, très bien. Ouais. Apia, Arrosar, Watt. Moi je kifferais avoir une dresseuse sympa quand même. Oui, moi aussi, ouais. Blizzy, même si en français les gens la vendront que dalle probablement. Oui. Momartic. Ah, oh, une V Max. Ah bah Calyrex, enfin, voilà. C'est Noroa. Donc c'est comme en japonais, hein, on va l'avoir 15 millions de fois. Oui, mais normalement c'est à moi de l'avoir, c'est moi la glace. Oui, c'est vrai, donc tu vas avoir l'eau de VMAX. Bah sympa. Elles sont où les pochettes? Elles sont en dessous le fouillis là, je les ai trouvées, c'est bon. Ah, ne t'inquiète pas cette fois-ci, on a les pochettes. VMAX, c'est pas mal. Les pochettes c'est toujours les mêmes, c'est des perfect fit de KMC. Oui. Vous trouvez ça partout. Pas de KFC, hein. De KMC. Par exemple, bah, pas dans ton bleu Julien, tu en as. Des protège cartes. Oui, oui. D'ailleurs, si vous voulez les protège cartes, c'est le meilleur magasin, je pense, à Nantes. Ouais, il ouais, y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Allez, tapis comme ça, classeur, tout quoi. Mais. Allez, moi aussi, j'ai un truc là. C'est possible que tu vois, tu passes un truc et pas moi. Si vous commencez à bien protéger votre collection, ça coûte aussi cher que les cartes Pokémon, finalement. Oui, ouais, c'est vrai. C'est donc vrai. Là, nous, on protège bien, mais pas non plus, voilà, à fond toutes les cartes, sinon les gens s'immergent. Tu mets une pochette sur chaque carte, ça te coûte une fortune, quoi. Low class. Déjà, on les stocke bien, voilà. Galekid, Vivaldin, Cadoiseau, Galam. Allez, c'est Hakim, là. Et Branette. C'est Kim qui pas que rien, là. Ouais, bah moi j'ai une VMAX. C'est pas alors, j'aimerais bien avoir une petite au-dessus avec. Voilà, ce serait bien. Oui, après, on après, vu que j'ai une VMAX, je vais avoir une VMAX et une V, quoi. C'est possible. Alors, mec, t'as une Full Art. J'aimerais bien avoir déjà un truc, ça me ferait plaisir. Bah t'as une V. J'ai une V. Probablement. T'as tellement mal mis qu'on a Fougler. Vu le... Tout le monde a vu le truc noir, je pense. Sophora. Wouchours. Bibi. Bah ce qui serait bien, ça serait un oiseau en V. Parce qu'on a on n'a pas eu. En V tout court, on n'a pas eu. On n'a pas eu du tout, ouais. Topicker. Et allez, v... un oiseau. Oh, oh mais non, non. On l'a déjà eu trois fois. C'est la troisième fois qu'on l'a. Ouais. Mais oui. Quatrième fois. Oh là là, mais c'est ouais, une blague. Ouais, parce qu'on en a ouvert un peu en vidéo, alors peut-être qu'on a ouvert quelques boosters quand même. Ouais. Bah c'est du français les gens. Pour se faire plaisir. C'est pas comme le japonais où faut importer, t'attends et tout. Vas-y, à toi. Bah bon, c'est bah, nul. Bon bah une V Max pour l'instant. Bah deux doubles hein. C'est ouais, bizarre parce qu'on va avoir, c'est des choses qu'on a pas. Sachant qu'en V Max, qu'est-ce qu'on a pas eu? On a eu Rogana la dernière fois. En V Max, je pense qu'il y en a pas tant que ça. Hein. Bah une, deux. Énergie. Trois. Crabe minable. Rouleau persan, Lona, que je vais en full art, en français s'il vous plaît, Morpheo, ah, j'ai des Morpheo à la suite, Koki, Gringolem, Hayden, et rien du tout. K-Morse. Ouais, c'est le français, hein. Oui, bah c'est, jamais, ouais, c'est, si, bah si les display, on bah il peut y avoir, dingue, non, mais les ETB. On peut avoir un truc de dingue si on a de la chance, mais généralement... Un peu à l'image de Pokébox. Généralement, tu perds un peu ton argent. Quoi. Après, c'est pour l'item. Pour l'item, pour le petit livret. C'est ça. Et puis nous, on aime bien quand même ouvrir un petit peu tout, même si on sait pertinemment qu'il y a certains trucs qui valent pas le coup. Oui. Parce que comme ça, on peut se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Oui, est-ce qu'on peut faire un record Exactement. Wooshurus, Squillfish, Ramolos, Aspico, Poulpaf, Sevipère et Dimoray en holo. Qu'on a eu déjà aussi en trip parce que. Bah les holos on a eu tellement dans la dernière boîte que. Coup, je crois qu'on a limite tout eu. Ouais, je pense qu'on a quasiment tout. Bon, pour l'instant, le bah, fight, on est à la moitié et on a VV Max. Espérons une petite full art. Même une full art des oiseaux simples, je serais content parce qu'au moins avoir quelque chose dans ces boîtes, ouais, ça serait bien. Sinon, je regretterais de les avoir ouverts. Mais bon, c'est le délire, c'est le principe. Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Alors, énergie. Là, de ce qu'on a pu voir au niveau des gens qui ont ouvert, généralement vous avez de la chance sur les boosters limités. Après, oui. Ouais, mais non, ouais, mais non, parce qu'en fait, ceux qui vont le dire, c'est qu'ils ont voilà, de la chance. Voilà, exactement. Sucroquin. C'est vrai. Blizzy. C'est vrai. Parfuret. En tout cas, si on n'a pas un bon tirage, on en aura probablement zéro. Hein. D'autres. Hein. Et Mangriffe. Parce que c'est pas du Destiny Radius, oui, vous pouvez avoir des inserts de malade en mode tiens, une Amazing, machin. Et puis là, c'est de la collection. Nous, on aime bien les ETB pour la collection. Bah oui, ouais, c'est joli, ouais. Surtout joli. Récemment, c'est devenu, si jamais tu les précopas ou si t'achètes pas le jour J, t'en as pas, donc ouais, du coup, t'as le côté vraiment un peu énergie sympa, alors que les boosters à l'unité, finalement, ou les displays, t'en trouves toute l'année. Kirlia,
Boule de cristal brume qu'on peut avoir en gold. Pas vraiment, mais... Bibichu. Enfin, je me comprends. Rocabo, oui. C'est bien. C'est déjà bien que tu te comprennes toi-même. Ben non, mais ils vont ressortir des displays en juillet, en août. Fantominus. Uniforme de survie. Et probablement pas de... C'est atroce. Je sais pas du tout. Donc moi, à chaque fois, c'est la pire... En fait, quand on fait un duel, moi, c'est mort, en fait. Bah, je pense qu'on va avoir des tripacks, hein, parce que là, c'est fini. Avec simplement ça, c'est un peu dommage. Après, allez, voilà, attends, 4 boosters, t'as la moitié, toi. Je suis à un peu plus de la moitié, mais oui. Bah non, t'as encore... la moitié. On a... Il y a eu que 8 boosters. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas 10. Je suis à la moitié. Sephora, Spectrum. Sephora en alternative. Oui, en full art. Rond gourmand, Obali, Sucroquin, Sephora, encore une fois, et pas Sephora. Ben, tu peux dire que tu es à plus de la moitié. Je suis à plus de la moitié. Officiellement. Allez, il m'en reste deux. Tout peut se faire dans un booster. Hein. Oui, tout peut se faire dans un booster. Hein, Guillaume? Oui, mais c'est pas une boîte à 200 euros. Ben oui, c'est pas, pareil. Oh la vache! Franchement. Franchement, un booster sur beaucoup, c'est une... Qu'est-ce que tu fais? Il commence à y avoir beaucoup de cartes abîmées, quand ouais, même. Ouais, vraiment. Trop. Il commence à y avoir beaucoup de cartes abîmées, quand même. Là, honnêtement, de ce qu'on voit, de ce qu'on a pu ouvrir, il y a beaucoup de cartes pas quali du tout, quoi. Comment c'est possible, les gens? Et encore, on s'en fiche, parce que c'est une... D'accord, c'est une peu commune, mais... C'est, en fait, c'est carrément... Ouais, c'est carrément griffonné. Non, c'est carrément... C'est même pas imprimé. C'est même pas déchiré, c'est pas imprimé, en fait. Ouais, c'est un problème imprimé. D'impression, et du coup, c'est la carte, en fait, qui est blanche. Ouais. Je sais pas, à la limite, que toute la carte soit blanche, ça aurait été stylé, tu vois. c'est vraiment rare, mais là, c'est juste un gros défaut de fabrication. Mais pour l'instant, c'est nul. Ouais. Mais après, il reste 4 boosters. Donc, un tiers. Non, 25%. Un quart. Pardon. Un car, un bus. Alors, énergie. Un minibus. Pivonia, que j'aimerais bien voir. Apia, qui serait sympathique aussi. La mieux, c'est Kathleen. Donc, Persila. Parce qu'on l'a pas eu du tout. Farfuret. Canartichaud de Galar. Quoi faire? Si on veut voir un dresseur. Tars. Ah, bon. Il est fou là. J'ai dit parce que, en fait, je pense que. Attends. Ah non, Sylveroy, en sombre. Sylveroy en sombre. Oh, ouais. Jolie. Elle est belle. Et du coup, ce qui fait que on a pas les deux, non, on n'en a aucun. Ah, c'est en japonais. Et donc, vous l'avez comme ça et en alternative. Bon, c'est pas mal. Vous l'avez comme ça. Oh là là, elle est belle. Ouais, elle est belle. C'est pas mal. C'est pas mal. Sylveroy, c'est pas mal. Le sombre est très prisé, je pense, pour le TCG. Et elle est plus rare. Il faut savoir que celle-ci est plus demandée que la version... Celle-ci en version full art. Voilà. Bah bien. Ah, je suis contente de dire un truc. Wouh. Ouais, ça me paraît assez normal d'avoir au moins une full art. Si moi, j'ai rien, si j'ai pas de full art, tu vois, ça va être bon. Une VMAX. Après, voilà, il y a toujours le côté chance. Hein. C'est ça. Alors, énergie, Spectrum, Adrian, Crabominal. Heureusement que t'es aussi le roi et pas du Naconda, quoi. Oui. Voilà, t'aurais eu de Naconda full art. Je le rejette. Chapotus et Branette. Bon, ouais, une belle full art. Sur 8 boosters, c'est pas trop mal. Une belle full art, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, ouais, à toi maintenant. Je pense qu'on a ouvert trop de japonais pour. Si, parce que sur une boîte en japonais, t'en as qu'une comme ça. Là, sur 8 boosters, t'en as une, donc c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Oula. Déjà, on va dire que j'ai triché, incroyable. Ça pense, j'ai rien. Oui, faut que j'ai rien. C'est le booster, faut que j'ai rien. Et c'est là où j'aurai une gold, et du coup. Oui, bien sûr. Énergie, boule de cristal, Bastien, Flogger, Watt, je vais pas avoir qu'une VMAX, quoi. Bah, ça y est, Guillaume, il est déjà défaitiste. Bah, parce que. Bizarre, ouais. C'est de l'arnaque, quoi. J'ai 8 boosters qui me reviennent à. En gros, plus de 7 euros le booster. Et en fait, t'as une carte à 15 euros. Voilà. Oui. Bah, c'est ouais, mais c'est toujours comme ça, hein, Pokémon. Oui, mais c'est un item scellé. Ça aurait été 8 boosters en loose, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Toi, ils ont tous des défauts. Ouais, ils ont à mort. Allez, plus qu'une V, là. Si c'est pas là. Bah, t'ouvrais un tripack tout seul si tu veux. Bah, non, mais. Allez, surtout, j'ai packé au début ma full art. Bah, je pense que, ouais. C'est mort. Oh là là. Les gens, non, quoi. Ah. Bah, non, en fait, on a eu quelques petits tripacks. Oui. C'est les premiers. C'est les deuxièmes qu'on a. Oui. Et en fait, on en a eu. Ah, oui, on en a eu 6. Et en fait, là, on a juste eu 4. Oui. Parce que c'était limité, c'est bien, parce que ça, pas mal de magasins mettent des limites, et du coup c'est très cool. Mais ça, c'est du coup, préco. Ça nous limite aussi, non, mais comme ça. C'est du préco aussi, oui. Et c'était au passage de prendre quelques limites et tout. Allez, vas-y, pack-nous un truc. Bon, t'arrêtes dès que tu packes un truc. Bah ouais, parce que je suis un petit peu déçu, quand même, d'avoir juste une VMAX, en plus qu'on a déjà. Oui. Après, allez, voilà, j'aurais une full art alternative, j'aurais rien dit, mais une VMAX, c'est pas pareil. Oui, une seule full art, oui. Non, une seule VMAX. Oui. Si
Non, mais si t'avais eu une seule full art alternative à la place de la VMAX. Ou alors même une full art. Mais une VMAX, c'est toujours moins bien. En fait, dans les displays, t'en as toujours. T'es obligé d'en avoir. Oui. Les VMAX, les full art. C'est moins bien, ouais. Est-ce qu'on va avoir de la chance dans les tri-packs? Parce que du coup, c'est du hasard total. C'est une petite partie d'un carton de je sais pas combien, ou de vrac, ou j'en sais rien. Aspico, Zeblitz et Quatermac. J'ai l'impression d'avoir mille fois Quatermac. Ouais. Alors que c'est dans. Bon, si j'ai rien dans mon tri-pack, t'en auras. Moi, je m'en fous d'ouvrir, c'est juste que je veux qu'on ait un peu de chance. Pour avoir une petite carte sympathique. Bah une... Bah non, mais ouais, une petite carte sympathique. Une petite carte sympathique. Une petite carte sympathique. On dirait... Même un petit oiseau full art, un dresseur. Un dresseur, j'ai l'impression qu'on n'a plus de dresseur. Oui, alors qu'avant, on en paquait tout le temps. Bibichu, Galekid, Tarsal... Il est où, Dylan? Dylan, on l'a eu 10 fois. Donc n'achetez pas des tripacks non plus à 30€, les gens. Non, mais c'est... Attendez le réassort. Si vous dites, ouais, les gens abusent, ils mettent des prix de malade, mais le problème, c'est que certains d'entre vous achètent à ce prix-là. Oui. Faut pas acheter à ce prix-là. Nous on les a achetés. Allez, pack-nous un truc. 17€ magasin de tripack, oui, donc normal. Là, si j'ai rien, ça craint. Bah non, c'est 3 boosters. Oui, oui, après. J'ai envie d'avoir de la chance. Oui, sans avoir de la chance. Ah, une V. Oh, ah, une VMAX. Ah oh, non, ah, Bras et Gali. Bah, ah ouais, mais on l'a déjà eu. Allez, on ouvre tout. Bah on non, mais allez. Allez, on est dingue. Et puis c'est fini, voilà. Si on n'a pas de chance là, ouais, ça sera la prochaine fois. De toute manière, probablement le display. Display, ouais. Oh là, il était... Parce que ça y est, on a reçu notre autre commande, voilà. Donc on en a reçu... Bah, display ou blister de carton, en fait, on sait pas trop. Oui. On sait pas trop parce que ça dépend comment on reçoit, mais normalement, oui, on va recevoir... Donc il faut rester au rendez-vous, il y a aussi des choses sympathiques en légende brillante, parce que c'est ressorti pas mal... Je peux le montrer. On en a acheté un. Peut-être prochaine vidéo. Regardez la taille de ce coffret, ce coffret est juste dingue. Bah, de toute manière, si vous êtes de Nantes et que vous avez la boutique qu'on a dit, vous savez qu'ils en avaient ce week-end. Oui, ouais. Non, mais elle est... non, mais il est dingue ce coffret! Il est incroyable! J'ai pas vu! C'est non, mais il est incroyable! Mais oui! Et c'est des cartes qui sont. Oh, arc-en-ciel! Non, mais c'est des cartes promotionnelles! Ouais! Elles sont pas sorties! Donc peut-être demain! Oui, voilà! Donc un petit bonus et peut-être avec un coffret ou une ETB! Un oui, voilà, c'est ça! Pour changer un petit peu d'univers! Parce que là, on est dans la neige, mais il faut qu'on sorte avec les motoneiges là! Ah, une V! Oh non! Ah! Ça va! J'ai vu le canyon! Canyon, on l'a pas eu, je crois, en français. Non, je crois qu'on l'a pas. Première fois, elle est très jolie, mais elle est encore abîmée. Voilà, toujours. Ouais. Ça va être très compliqué sur cette série d'avoir des cartes en parfait état, je pense. Après, ouais, nous, on s'en fiche un petit peu. Mais comme on a eu que deux V dans la. Comme on a eu que deux V dans la display, bah en fait, il y en a plein qu'on n'a pas eu. Ouais. Bah, il y a Royada V, le Fourivé, il y en a plein. Oui, 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 il y a plein. Pour avoir un petit tripack. Bah, en fait, on a ouvert des tripacks. Est-ce qu'on a une carte bien dans les tripacks? Je crois qu'on a eu que des VMAX. On a eu pas mal de VMAX. Je me rappelle plus. On a ouvert 6 tripacks. On a ouvert 6 tripacks. 18 boosters. Là, on nous, là eu... voilà, c'était pour fêter la sortie. Après, là, on en a un petit on peu. A donc, eu, on a eu, on a eu. Est-ce qu'on a... Je crois qu'on a eu une VMAX. Ah bah non, c'est là. Bon, bah, je crois qu'on a eu Metalos VMAX. Du coup, t'as rien. Non. Bon, ouais. Mais c'était pas bien, fou, note de même. Pas terrible. Achetons des stocks entiers de japonais et n'ouvrons plus de français. Voilà, non, on va voir que du japonais. On va avoir Lona en 10 000 fois. Comme on a dit, voilà, il y a la moitié de l'extension qu'on aime bien. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de cartes de la moitié de l'extension qu'on aime bien. Non, mais on va retenter notre chance. Pas sur les ETB, mais on va retenter notre chance, je pense, exactement. Avec une display, en espérant avoir... Punaise, si on a encore une display avec 3 foulards, les gens, mais même peu importe lesquels, même si c'est 3 Agatha, c'est impossible. Même si c'est un dresseur pas ouf. Avec une gueule pas ouf de dresseur et je sais pas une full art, un Pokémon tu seras content parce qu'au moins t'as 3 trucs. Oui, c'est tu vois, ça. Plus non mais la dernière VMAX, fois c'était j'espère qu'on en aura d'autres comme ça. J'espère en tout cas on espère que ça vous a plu, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, voilà, un petit peu déçu après du tirage. Cette carte là je pense qu'elle vaut quand même un peu, tu vois, en termes de rareté et cotation, parce que je pense qu'elle est après, jouée après toutes les cartes ne peuvent pas valoir des... C'est pour ça que c'est énervant que ce soit si cher. Parce qu'en fait, toutes les cartes peuvent pas valoir un minimum pour rembourser ou espérer rembourser. Je me souviens du temps où les displays c'était 100€ les gens. Ouais, on les achetait à 90€ au tout début de notre 80€ sur les sites de revente parce que tout le monde s'en foutait. Ouais. Il y a un truc qui est en train de se passer qui est pas cool et je pense que ça va jouer des tours aux collectionneurs Pokémon et de toute manière. Je pense qu'il y en a plein qui vont se désintéresser. Même nous qui arrivons à quand même avoir des choses à ouvrir pour nos vidéos, parce qu'on a besoin de quand même assez quantité pour pouvoir faire des vidéos un peu régulièrement, bah en fait on a tendance à se dire ce qui se passe c'est quand même pas cool quoi. Ouais, voilà. C'est quand même vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Bah ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. On se retrouve demain pour. Bah, vous verrez. Vous verrez, tout dépend. Oui, voilà. Tout dépend de. Bah, vous verrez. Voilà. Je pense que peut-être une display.
Guillaume, il a envie. Bah non, mais parce qu'en fait, je me dis, j'ai envie de me rassurer, tu vois. Et... on va l'ouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mauvais karma. Ouais, bon, on verra. En tout cas, les gens, pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. Et on vous dit à la prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!